Je vais vous parler ce matin d'une personne qui a retenu l'attention de Jésus parce qu'à sa façon de donner pour la caisse du temple, elle a dévoilé quelque chose de significatif pour la vie spirituelle. Les esprits espiègles parmi nous vont peut-être dire, ça y est, à peine installé, déjà il en veut à nos sous. Loin de moi une idée aussi païenne. Ce sont les notions sous-jacentes à ce passage de Luc qui m'ont interpellé lorsque j'ai songé au thème de l'installation qui nous réunit ce matin. Le thème de l'engagement au service de l'Église, qui se relie au thème, bien sûr, de la foi elle-même. Entrons sans tarder dans cette méditation. Jésus lève les yeux, nous dit Luc 21. Il vit les riches qui mettaient leur offrande dans le trésor, c'est-à-dire dans la caisse du temple de Jérusalem, pour son entretien. Il vit aussi une veuve indigente qui mettait deux petites pièces. Je vous le dis en vérité, répartit Jésus, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Pourquoi donc ? Qu'est-ce qui l'a poussé à agir de la sorte ? Et comment considérer ces religions qui poussent les gens à se démunir ? Est-ce la culpabilité qui l'inclinait à acheter les bonnes grâces de Dieu ? Est-ce la croyance de devoir gagner son salut par de bonnes œuvres qui l'a gouverné ? Avait-elle seulement toute sa tête, cette pauvre veuve ? Les solutions d'explication rationnelles, psychologisantes, sociales, ne manquent évidemment pas. Ce qui a semblé à Jésus, c'est que cette femme donnait quelque chose en plus du surplus des autres. En effet, quel que soit le montant que l'on donne en argent, ce n'est que de l'argent que l'on donne. Ce n'est pas rien, certes. Il ne s'agit pas de mépriser l'argent, et encore moins la valeur du don. Aucune institution ne peut dire d'ailleurs qu'elle n'en a pas besoin. Et les protestants sont, Dieu merci, émancipés des discours pieusards qui diabolisent l'argent tout en le réclamant sous une forme ou sous une autre, fût-ce par la vente d'indulgence ou en recourant à quelque forme de simonie. Reconnaissons-le tout net, si l'argent est un mauvais maître, chacun le sait, il est un excellent serviteur. Fort utile pour que l'Église imprime des Bibles, rémunère ses pasteurs, finance ses locaux et permette ainsi que les cultes, les baptêmes, les confirmations, les mariages, les obsèques soient célébrés. C'est le sens des appels financiers de tout bon trésorier, de rappeler aux fidèles que sans leur contribution, il n'y a pas d'église qui survive. Les finances sont le nerf de la guerre, n'est-ce pas, mon cher Bernard ? Y compris pour les institutions ecclésiales. Cela tombe sous le sens, et il ne sert à rien de jouer les hypocrites et d'enrober tout cela par un langage spiritualiste. Mais cela dit, une fois reconnue cette évidence, aussi soit utile le don pour l'Église, convenons tout de même ensemble que l'argent n'est que de l'argent, de la monnaie d'échange. Et le bon sens, la bonne gestion de père et de mère de famille, c'est, lorsque l'on donne en dehors du foyer, de donner un peu du reste,
un peu du surplus, comme dit le texte de Luc 21, et non le nécessaire, non le nécessaire. Or, la veuve de ce passage de Luc 21, du surplus d'argent, elle n'en avait pas. C'était du coup de son nécessaire qu'elle donnait pour contribuer à l'entretien du temple de Jérusalem. Alors, une lecture superficielle de Luc 21 s'arrêterait là. La veuve a donné de son nécessaire et non de son surplus, et c'est pourquoi elle a donné plus que tous les autres. Mais une lecture plus réflexive de Luc 21 remarquera que ce n'est pas seulement parce qu'elle donnait de son nécessaire que la veuve donnait plus que tout le monde. En effet, quoi que l'on en dise, ces deux piécettes d'argent qui étaient son nécessaire n'étaient malgré tout pour elle aussi que de l'argent. De l'argent dont elle avait grandement besoin, mais de l'argent tout de même, rien de plus que de la monnaie d'échange. Pour comprendre la remarque de Jésus et pourquoi il donne cette femme en exemple à ses disciples, il faut regarder derrière ce geste. Il faut regarder ce qui motivait ce don de 2 piécettes qui était son nécessaire. Qu'est-ce qui poussait cette femme à donner son nécessaire, si ce n'est son cœur totalement dévolu à Dieu? Si elle donnait plus que tous les autres, c'est parce qu'elle donnait plus que de l'argent. Elle donnait quelque chose en plus de son argent, bien qu'il lui fût nécessaire. Elle donnait quelque chose en plus. Quoi ? Elle donnait son cœur. Voilà ce qu'elle donnait en plus. Elle donnait son cœur. Elle se donnait elle-même. Et c'est sa vie qu'elle donnait. D'ailleurs, le texte dit à la fin, elle donnait tout ce qu'elle avait pour vivre. Quand on donne tout ce que l'on a pour vivre, c'est que l'on donne sa vie. Cette femme donnait plus que de l'argent, qui n'est que de l'argent, quel que soit le montant. Or, ce don-là dépasse évidemment en valeur devant Dieu toute somme d'argent, qui, que quoi que très utile, n'est que de l'argent, de la monnaie d'échange. La veuve donnait peu en volume financier, mais elle donnait infiniment en se donnant elle-même. Elle donnait sa vie. Le poids, la valeur d'une personne devant Dieu compte assurément beaucoup plus que de l'argent, qui n'est que de l'argent, de la monnaie d'échange, très utile, certes, indispensable, certes, mais que de l'argent. Ce n'est pas le cœur que l'on donne quand on donne que de l'argent. Quel que soit le nombre de zéros que comporte le don en argent, il n'équivaudra jamais, jamais devant Dieu la valeur du cœur qui se donne en amitié et en affection. Si Jésus a relevé et indiqué que la veuve avait donné plus que les autres, qui donnaient un peu ou beaucoup de leur surplus, c'est parce que, en donnant de son nécessaire, elle signifiait que c'est elle-même, qui constituait la plus grosse partie de son don. En conclusion, c'est notre amitié, c'est notre communion, c'est notre affection que Dieu espère. Nous espérons en Dieu, c'est bien connu, l'espérance chrétienne, nous espérons en Dieu. Nous espérons en Dieu pour cette vie et pour celle d'après. Nous mettons notre espérance que l'être qui nous a donné de l'être ne nous a pas donné de l'être pour nous voir disparaître dans le néant. C'est l'espérance chrétienne. Mais Dieu aussi a une espérance. Dieu espère en nous. Dieu espère, tout comme un père ou comme une mère, que nous allons lui donner notre amitié, que nous allons lui donner notre communion,
Quel parent se contenterait des cadeaux, petits ou grands, de leurs enfants? Quel père ou quelle mère se contenterait des cadeaux que pourraient leur faire leurs enfants? N'est-ce pas le cœur de nos enfants que nous voulons avant tout, que nous espérons avant tout? N'est-ce pas le cœur de nos enfants, leur amitié, leur communion, que nous chérissons, que nous espérons? De même, ce que Dieu espère, c'est que nous lui donnions plus que notre surplus d'argent. Le trésorier de l'Église espère que vous lui donniez un peu plus de votre surplus, enfin un peu de votre surplus. Mais Dieu, lui, ce qu'il espère, ce n'est pas que vous donniez votre surplus, c'est que vous lui donniez votre cœur, que vous lui donniez votre amitié. Dieu appelle les uns à être les témoins de sa bienveillance pour tous au sein du monde, sur les lieux de leur travail, dans leur lieu de vie. Et cela représente un don généreux de soi, de temps et de moyens aussi. D'autres sont appelés pour travailler à l'édification de l'Église et des fidèles, et ils sont ordonnés pour ce service avec les contraintes et les joies qui y sont jointes. Mais concernant Dieu, le tout autre, l'éternel, ce n'est ni notre surplus d'argent, ni notre surplus de temps, ni notre surplus d'empathie qu'il espère. Non, ce que Dieu espère, l'espérance que Dieu forme pour nous, pour chacune et chacun ici, c'est que nous lui donnions notre cœur, notre amitié, notre affection. Tous nos dons, toutes nos offrandes, tous nos engagements peuvent manifester le don de nous-mêmes, comme c'est le cas de la veuve de Luc 21. Mais aucun don, aucune offrande, aucun engagement ne saurait remplacer le don de notre cœur, le don de nous-mêmes à Dieu. Ce n'est pas notre surplus que Dieu espère, c'est nous-mêmes. Lorsque nous nous donnons en plus, en surplus de tout ce qui a une certaine valeur, il est vrai, mais qui n'égale jamais la valeur du cœur d'un ami. Et Dieu veut être notre ami. Pour vous, parmi vous, à Paris-Batignolles, je serai ce pasteur qui vous dira sans cesse, toujours, donnez votre cœur à Dieu. Amen.